boys, c'est Lucas, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi écoutez, tant que j'ai des cheveux et un peu d'highlighter, je respire la joie de vivre. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, j'allais dire très spéciale, mais je dis ça à chaque début de vidéo alors que mes vidéos sont grave banales. Mais j'avais envie de faire une vidéo avec une invitée, donc, tout simplement pour vous montrer que j'ai une vie sociale et que je ne passe pas ma vie seule dans ma chambre à faire des stories. Donc voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de maquiller ma meilleure amie selon mes maquillages, je sais pas comment dire. Genre en gros je vais la maquiller comme moi je me maquille tous les jours. Et pendant ce temps, parce que je me suis dit qu'est-ce qu'elle va faire pendant que je la maquille à part fermer les yeux et regretter d'avoir accepté ça, eh bien nous allons répondre à des questions que vous nous avez posées sur mon Instagram. Donc accueillons tout de suite Jennifer Lawrence. Je peux pas venir plus de 5 secondes. Mais je fais comment? Tu apparais, on coupera au montage, on ne verra pas tes jambes. Donc voici ma meilleure amie Julie, qui n'a apparemment pas mis de déodorant. Donc voilà, donc Julie, as-tu des a priori par rapport à cette vidéo? Es-tu impatiente que je te transforme en moi, que je te rende vulgaire? Faut que tu m'as maquillée, c'était pas... Bah c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à maquiller les gens parce que du coup je connais pas leur visage. Mais écoutez, Shamus Gowan, on va improviser. Et on sera au musée Grévin. Je suis beaucoup trop maquillée. Oui, la veste. T'as plus de porc. Ouais, de ouf. Donc je vais te donner mon téléphone et tu vas du coup répondre aux questions. Enfin non, tu vas sélectionner en gros les questions pendant que je te maquille. Donc voilà, donc j'ai les questions que vous m'avez posées sur mon téléphone et du coup tu vas les choisir et nous les poser. Mais en gros, il y a des questions qui nous concernent nous deux sur des préjugés que les gens peuvent avoir sur moi ou autre. Et donc si ça concerne par exemple, est-ce que Lucas la pète en vrai, quelle est ta réponse? Ah bah oui. Voilà. Et voilà, donc moi en attendant je vais la maquiller et lui faire un look de grosse pétasse. On va commencer par lui appliquer une petite base matifiante et une petite base qui cache les rougeurs et tout de chez Urban Decay, la Focus. Oh putain, regardez mes ongles, j'ai fait les ongles pour vous. Bon, on voit rien du tout. Bon, je vous marquerai le maquillage en barre d'infos parce que regardez, la Focus ça marche pas, c'est vraiment de l'arnaque. Donc c'est le Make Up Forever HD. Mais t'avais pas changé de programme? De quoi? De l'appareil. Bah si si, mais ça marche toujours pas. Okay. C'est agréable ou pas? Oh, on dirait que t'as peur. Ah non, mais c'est pas ça. Fais-moi confiance. Oh putain, ouais, j'ai peur de crever un œil en fait avec mes ongles de chez Claire. Non, moi j'en mets là aussi. T'en mets pas toi là? T'en mets là? Ouais. Bah non, mais je te dis, j'en mets pas tout du coup. Mais tu sais, comme ça unifie bien le teint. Et c'est naturel. Bien, ça va. Regarde toi, évite de regarder le retour. Okay. Bah mais non, il faut que je regarde si ça filme. Regarde là. Les traces... Regarde la trace de doigt là. Ouais, non mais ça c'est du spray fixateur, quand je me maquille, j'en fous tout le temps sur le... Quel est votre souvenir le plus drôle? On en a eu des fous rires. Hein. Ça saute pas aux yeux comme ça. Dit comme ça, on a l'air heureux comme ami. Merde, bah je sais pas. Notre plus gros fou rire, en vrai on en a eu plein, genre en soirée et tout. Mais ça va s'estomper, je te jure que moi je fais ça. Hein. Votre plus grosse embrouille. Ok, je suis en train de lui faire le contouring en même temps parce que du coup on réfléchit. Ah, faut que ça aille vite. On va passer 3 heures pour du contouring. Bon. Ah. Notre plus grosse embrouille, bah c'est vrai qu'au lycée on s'embrouillait tout le temps parce que genre. Je sais pas pourquoi on s'embrouillait. Comme on a deux gros caractères. C'est grave les gens de télé-réalité qui disent ça dans les interviews. C'est les TPE. Ah ouais, les TPE. Donc en première, si vous êtes en première, vous faites vos TPE. Et genre. De toute façon, c'était simple, on était 4. Ouais. J'étais toute seule à travailler. Lui, il jouait à la caissière avec la. Ah, ouais, ça a le goût de médicament. Je vais me mettre ça sur la gueule après, ça me régale. Oh, écoute. C'est naturel. Mais ouais, c'est vrai que les TPE, ça a été notre plus grosse embrouille. Genre, on se parlait jamais. Genre. Le jeudi, c'était pas. Ouais, le jeudi, c'était la journée où on se parlait pas. Mais il y avait plein de jours comme ça, genre le matin en cours, des fois, on se parlait pas de la journée et tout. Genre, on était assis toute la journée côte à côte et on parlait pas. Mais toi des fois tu m'énervais, genre je sais pas, il y avait des jours où on se parlait pas et du coup chacun avait quelque chose l'un contre l'autre et du coup on se parlait pas, mais on se le disait pas. Donc la question c'est, si tu devais attribuer 3 mots à Lucas, lesquels seraient-ils? Le premier ce serait généreux. T'as trop genre le cœur sur la main. Ouais je sais pas, t'es trop généreux, enfin. Ah c'est gentil. T'as tout le temps envie de donner aux gens et tout, enfin voilà. Ensuite, je dirais sensible. Ah, pourquoi? Je pleure pas souvent. Si. Bah, dans Naruto. Mais Naruto, en même temps, t'es obligé de pleurer. Non, ouais, je sais pas, t'es sensible. Enfin, genre, t'es trop touché par les gens et tout. Enfin, s'il leur arrive des trucs et tout. Je dirais que t'es changeant. Changeant. Non, mais genre. C'est-à-dire.
Genre des fois, tu sais, bah, comme on disait là au lycée, des fois tu sais pas pourquoi il a un truc dans le cul, je sais pas quoi. Mais... Je suis lunatique de ouf, ouais. Ouais, non mais capricieux aussi. Ah ouais, putain, ça aussi. Bah et oh, faut pas non plus défoncer la gueule là. Ouais. Bah non mais genre si j'ai décidé de manger au Burger King et que toi au McDo, on va aller au McDo, hein, sinon... Bah j'aime pas Burger King, j'ai du mal. Donc ensuite on va passer au maquillage des yeux, donc je vais utiliser la Riviera d'Anastasia. Donc je me sens grave beauty guru, genre j'ai une nouveauté et tout, c'est... Je peux toucher. Vas-y, touche. Y'a écrit cadeau. Je pense que vous l'avez déjà vu, Ayoko Ali a fait une super vidéo dessus. Si vous voulez aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai toujours rêvé de dire ça aussi, j'adore. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais te faire, ma chérie. Que Lucas achète trop facilement. Donc, ça fait partie de sa générosité, c'est-à-dire qu'il est généreux avec lui-même. Bon alors, attendez, on va faire les yeux et après, on va prendre d'autres questions. Inspire-nous. Oui. Rose. Oui. Bon, on va essayer de pas foirer, ma chérie. Close your eyes. Putain, par contre, je te fais mal. Attends, on va zoomer un peu. Oh my god. Oh putain. Ouais, reste comme ça. Et sois pas make-up artiste parce que tu vas te faire virer. Oh, faut qu'elle soit souple, mes modèles. Donc, prochaine question. Est-ce que Lucas est prétentieux? Ouais, c'était grave la question. Tout le monde croit que je suis une grosse pétasse, hyper prétentieux, hyper méchant et tout dans la vraie vie. Bah oui. Non, bah non, du tout. Parce que des fois dans ta story tu fais genre ouais machin et tout. Genre, tu sais, tu fais le mec prétentieux. Ouais, bah ouais, mais c'est pour rire. Oui, genre. Voilà, je pense qu'ils prennent ça au premier degré. Mais non, enfin. Genre quand tu sors dans la rue, t'es pas là à pousser les gens. C'est les gens qui me poussent. J'en ai marre. Respectez-moi dans la rue, arrêtez de mal me regarder. Non, mais genre, t'es pas du tout prétentieux. Mais c'est vrai que je suis grave timide. Enfin, non, c'est pas de la timidité, c'est genre. T'as peur de te lancer. Mais une fois que t'es dedans, c'est bon. Ah oh, non, c'est pas de la timidité, c'est que les en gens. En fait, une fois que t'y es, ça va. Mais avant d'y aller, tu as toute une pression. Ouais, de ouf. J'ai aussi vu beaucoup de fois la question si t'étais pareil dans tes vidéos. Ah oui, quand en vrai. Alors. Bah ouais. Enfin... Pire. Non, ouais, je te vois limite, je te trouve encore plus faux-folle. En vrai? Ouais. Donc non. Les gens qui m'aiment pas à travers mes vidéos, bah sachez qu'en vrai je suis pire. Non mais niveau, t'es encore plus trash en vrai par contre. Genre tu te contiens sur tes vidéos. Bah normal, je vais pas dire de gros mots et tout. Mais j'aime pas dire des gros mots. Putain. C'est vrai, ouais, tu trouves que je suis plus trash en vrai? Bah oui. Aucune arme. Je te présenterai pas mes parents. Papa Julie m'aime bien. Hein. Papa Julie. On avait déjà fait une vidéo mais avec Enza. Elle avait tout gâché. Et puis la gueule que j'ai dessus. Ouais, elle est encore en ligne. Je pouvais aller la voir. Il y a des gens qui m'envoient le lien des fois. C'est vrai? C'est toi. Oui. Donc on va lui mettre du doré dans l'intérieur de l'œil là. Le petit truc qui me dégoûte là. Ah, ça, j'appelle ça le pépin de cerise. De tomate. Raisin. Pépin de raisin. Ça me dégoûte ce truc. Mais tu me fais trop rire parce que quand tu te maquilles, t'essaies trop d'avoir le vocabulaire des youtubeuses, mais tu maîtrises trop. Ouais, pas. De ouf. Je suis vraiment une youtubeuse en carte. Je sais pas comment on pourrait me qualifier, youtubeur parodique. Fantastique. Oh my god. Et les gens ils vont croire que je suis en train de te tuer, genre je suis comme ça. La con. Donc je viens de finir le maquillage des yeux, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait, je sais pas si vous aimez bien. Elle a pas encore vu. Je suis en train de dormir. Donc nous allons lui mettre du mascara maintenant, donc je vais lui appliquer le Makeup Forever. Ouais, du coup j'ai dû changer de carte SD parce que l'autre est pleine, ça fait 1h30 que nous filmons. L'autre œil. Ah, oui. Mais du coup j'étais perdue, ça filmait plus. Attends, cette merde, on est mis dans le make-up. Oh merde, bien passé. Ne bouge pas. Calme-toi, respire. Oh, je clean. Non, clean. En même temps que... Chut. Arrête, tu bouges, t'en fais exprès, tu veux cacher mon art. Enlève le pâté, non? Non. Regarde. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, j'enlève jamais, je mets juste par-dessus. Que penses-tu du fait que Lucas s'assume complètement? Ah, une belle question. Fais-lui honneur. Et ben, ah ouais, après, t'as un entourage qui fait que... Enfin, t'as toujours été bien entouré et tout, donc... Non, bah je trouve ça bien, enfin. Pour moi c'est normal. Enfin, y a ouais, j'ai toujours mes potes, ils ont jamais été méchants et tout envers moi par rapport à ça. Bah, après, tu le mérites, mais. Ouais, vous avez toujours été assez ouvert avec moi. En même temps.
Bah non, il y a des gens, c'est pas le cas. Et ouais, en fait, ils peuvent ne pas supporter. Là. C'est sûr, mais après. Qu'un mec porte des faux ongles, c'est vrai que le plastique tue des gens, qu'il porte des faux cils. Donc maintenant, on va passer au lait, ma chérie. Du coup, on a oublié la question. Ah, pardon, c'était quoi? Est-ce que t'es chiant? Est-ce que je suis chiant? Bah oui, là. Ça, je le sais. Mais attache chiant. Genre. J'aime infect, le. Ouais. Non, mais t'arrives chez lui, t'es à l'heure. T'attends 10 minutes devant. Parce que monsieur fait je sais pas quoi. Ensuite, tu montes, on se prépare. Et à chaque fois, au moment de partir, tu as un délai d'une demi-heure. Parce qu'il doit aller chercher son porte-monnaie en haut, redescendre, ensuite remonter. Attends, je mets mes chaussures et j'arrive. Oh, infect. Bah oui. T'as l'air de bien m'aimer quand même, c'est gentil. Appliquer le rouge à lèvres de chez Rihanna, c'est le Fenty. Non, n'importe quoi. De chez Fenty Beauty, quoi. Stunna, je vais vous mettre un truc en barre d'infos. Stunna Lip Paint. T'as l'air grave heureuse. Ma chérie. Il faut que tes lèvres soient. Ouvre. Un verre. Voilà. Bon, voilà. Donc, oh my god, c'est trop beau. Oh my god. Voilà, attends, j'ai donné un miroir, mais ça paraît moche, je trouve, comme ça. Non, mais les yeux, c'est beau par contre. Next. Convaincu par la Riviera. Je la veux. Je la veux. Bah, peut-être pour ton départ bientôt, on ne sait pas. Salut les copines et les copains, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura fait rire. Et bah, j'arrive pas à conjuguer le verbe apprendre. Que vous en ayez appris. Que vous avez appris des choses. Non, que vous en ayez appris, ça se dit. Mais tu veux dire quoi? Que vous en ayez appris un peu plus sur moi. Ah, ça se dit. Que vous en avez appris un peu plus sur moi. Donc j'espère en tout cas que vous en ayez peut-être un petit. Non, mais que vous en avez appris. Ça se dit, avez appris. Bah oui. Vous en avez appris un peu plus sur moi. Ouais, je sais pas. Mais je suis polonais, hein, donc. Si cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Si vous aimeriez que Julie revienne, même si tu pars 4 mois en Australie dans 2 semaines, bah, il va falloir répondre vite à cette question. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Merci. Et pendant ton absence, ça me fera plus de vidéos à regarder. Sur ce, les copines, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Marquez un vaisseur et ramenez-moi... Ouais, ça, j'ai toujours du mal. Non, un truc plus original. J'ai toujours du mal à trouver des mots. Fleur. Oh! Cœur qu'un vaisseur et ramenez-moi. Ouais, mais non, faut que ce soit en 2 syllabes. C'est Parce que sinon, cœur qu'un vaisseur et ramenez-moi un bon fleur, une fleur. Ouais, si ça le fait. On va peut-être pas se creuser la tête trop longtemps parce que ça va surchauffer là-haut. On a déjà du mal à conjuguer le verbe apprendre, alors trouver un mot en Cœur qu'un vaisseur et ramenez-moi une fleur. Bisous!